L'extrême droite se définit comme un ensemble de courants politiques œuvrant à accentuer la hiérarchie sociale. Ils s'accordent sur une vision du monde autoritaire, mais la place de la nature dans leur discours change selon les situations politiques. Aujourd'hui, quelle place prend la nature dans leur discours pseudo-écologiste? Quel horizon écologique leur opposer? Les conceptions de la nature de l'extrême droite s'inspirent de plusieurs périodes, notamment de la Grèce antique. L'extrême droite idéalise cette période et y fait particulièrement référence. Par exemple, Génération Identitaire utilise le symbole spartiate du lambda. Selon Aristote, la nature est hiérarchique. Ce serait donc le destin de toute société d'être hiérarchique. Ces conceptions légitiment l'esclavage ayant cours dans la démocratie athénienne. De nombreux philosophes romains reprendront cette conception d'une nature hiérarchique. Le terme fascisme vient d'ailleurs du faisceau, arme de l'Empire romain. Ces conceptions seront également reprises plus tard de façon récurrente. Ce fut le cas de pères de l'Église chrétienne comme Thomas d'Aquin, cité par des défenseurs du colonialisme, ou encore par certains et certaines modernes comme le royaliste Maurras et le nazi Heidegger. Mais le finalisme au cœur du concept de destin est contradictoire avec les conceptions déterministes des sciences. La cause précède toujours l'effet. Une situation future ne peut pas déterminer une situation présente. Cela contrevient au principe d'antériorité de la cause. La nature n'a donc pas de finalité. L'évolution est encore souvent expliquée à tort comme l'apparition d'organismes toujours plus complexes, comme si Homo sapiens était le stade final de l'évolution. Mais toutes les espèces sont évoluées, toutes les espèces présentent une mosaïque de caractères différents. L'arbre phylogénétique des espèces est un buisson, pas une échelle. Les discours qui légitiment la hiérarchie par une différence ne sont que des mythes autoritaires. Depuis le 19e siècle, les droites dures invoquent la défense du territoire pour justifier le rejet de l'étranger et la sauvegarde des lois naturelles. Ces idées sont diffusées en France, notamment par la Nouvelle Droite et certains et certaines catholiques traditionnalistes qui prônent une écologie intégrale. L'Action française porte aussi cette écologie. Ces porte-paroles sont jeunes. Ultra-conservateur, ultra-conservatrice et surdiplômée. Eugénie Bastier, journaliste au Figaro Vox, Marianne Durano, essayiste, ou encore Gauthier Besse de Berck, co-initiateur des Veilleurs, mouvement apparu en 2013 dans le sillage de la Manif pour tous. Et elles développent leurs idées dans la revue trimestrielle Limite, fondée en 2015 et sous-titrée Revue d'écologie intégrale. Leur idéologie est proche de celle du pape François, qui prône lui aussi l'écologie intégrale dans son encyclique de 2015, Laudato Si. Le féminisme intégral, de limite, se traduit par le refus de toute contraception non naturelle et par la dénonciation de la fausse émancipation des femmes par la pilule et le monde du travail. Il s'agit d'être conservateur de la planète et du corps humain, de la famille, du domestique, du local. Tout ce qui pourrait subvertir la hiérarchie sociale serait contre nature,
voire irrationnelle. Aujourd'hui, certaines et certains, comme Jordan Peterson aux États-Unis par exemple, développent des conceptions pseudo-naturalistes et pseudo-rationalistes pour légitimer le statu quo et accentuer la hiérarchie. Selon elles et eux, le sexisme, le racisme et le spécisme, en un mot, la hiérarchie, serait nécessaire au maintien de toute société. Et elle développe des conceptions finalistes de la nature en contradiction avec les conceptions scientifiques actuelles dont elles prétendent se réclamer. Selon l'écofascisme, la hiérarchie viserait à sauver la nature. Face au faux problème de la surpopulation, s'inspirant des thèses de Malthus, l'écofascisme projette d'exterminer une partie de la population. Comme pour la pensée libérale, le problème ne serait pas l'inégalité, mais les individus. Et elle culpabilise les plus dominés alors que leur consommation de ressources est pourtant marginale et qu'elles sont les premières victimes de la destruction de nos conditions de vie. Tous ceux et toutes celles qui ne s'attaquent pas au caractère autoritaire de la production sont dans une impasse écologique. Cela même jusqu'au plus communiste. L'écofascisme est pour l'instant minoritaire chez les pseudo-rationalistes d'extrême droite, majoritairement productivistes. Mais il y a fort à parier que l'écofascisme sera d'une actualité saisissante quand l'écoulement des stocks ne sera plus la priorité. Il légitimera qu'une classe sociale profite exclusivement des derniers fruits de notre écosystème. Cela en prétendant œuvrer au retour d'une abondance passée idéalisée. Le Rassemblement National, ex-FN, se contente d'un habillage vert sur son discours. La matrice idéologique de ce parti est le libéralisme et le poujadisme. Jean-Marie Le Pen, qui s'est qualifié de « Reagan français », n'a jamais caché son scepticisme quant à l'écologie. Le seul moment où le FN développa un discours écologiste fut le début des années 1990, sous l'impulsion de Bruno Maigret, issu des rangs de la Nouvelle Droite. Récemment, sous l'influence des identitaires, Marine Le Pen et Florian Philippot ont un peu repeint en vert le discours nationaliste. Sur le registre de la sauvegarde des paysages, elle critique uniquement les multinationales et l'Union européenne au profit d'une production locale. Elle nous dit qu'elle aime les animaux et nous présente ses chats. Les penseurs du Groupement de Recherche et d'Études pour la Civilisation Européenne, également connu sous l'acronyme GRES et l'appellation médiatique Nouvelle Droite, avaient dans les années 70 cette conception productiviste et technophile. Leur discours était pseudo-rationaliste et résolument anti-écologiste. Puis il y a eu un basculement au début des années 80. À la fin de la décennie, les grécistes avaient un discours pseudo-écologiste, anti-rationaliste et anti-lumière. Et aujourd'hui, Alain de Benoist, leader du groupe, évolue vers la décroissance et le survivalisme. L'écologie n'est qu'un prétexte pour eux. Leur première préoccupation est l'accentuation de la hiérarchie. Les penseurs du GRES se sont inspirés d'un imaginaire romantique. La vie naturelle s'opposerait aux vices de la vie urbaine, l'ordre harmonieux de la nature à l'idéologie du progrès, l'esthétisme des communautés rurales ou traditionnelles à la laideur de la société industrielle, l'enracinement à l'atomisme, les petites communautés à la mégalopole et la mondialisation,
le particularisme à l'universel, l'organique au mécanique, le concret à l'abstrait, etc. La terre serait la source primordiale de l'élément nourricier à conserver. On imagine bien quels préjugés et stéréotypes sexistes et racistes cela véhicule. Cette idéalisation romantique des catégories sociales entretient des conceptions accentuant la hiérarchie. Il s'inspire notamment du philosophe nazi Heidegger pour rejeter la société libérale et son progressisme. Heidegger développe un nationalisme rejetant l'étranger et une mystique de la nature et de l'authenticité. Il s'oppose à toute forme d'abstraction, d'universalisme et de rationalité qu'il identifie aux banquiers, juifs, calculateurs et déracinés, sans patrie, cosmopolites ou mondialistes, comme le disent les réactionnaires d'aujourd'hui. Inspiré par Husserl, il rejette l'universalisme de la science. Elle nous empêcherait de saisir la particularité des choses, leur authenticité. La subjectivité de chacun serait alors supérieure au savoir impersonnel des sciences. L'être authentique serait alors celui qui réalise son propre destin. Sa société d'authentiques hommes et d'authentiques femmes, d'authentiques blanches et blancs, serait évidemment sous une authentique autorité. Ces conceptions feront écho avec le mouvement Völkisch, dont la traduction se situe entre populaire et ethnique. Ce mouvement insiste sur le caractère spécifique du peuple allemand et le maintien de ses traditions. Ainsi, aujourd'hui, le Grèce défend des positions ethno-différentialistes, résumées par Alain de Benoist et Charles Champetier dans le Manifeste, la nouvelle droite de l'an 2000. Les cultures ont toutes leurs centres de gravité propres. Des cultures différentes donnent des réponses différentes aux questions essentielles. C'est pourquoi toute tentative de les unifier revient à les détruire. Ils mettent l'accent sur les différences ethniques et culturelles pour glorifier la civilisation européenne et légitimer leur discrimination des plus dominés. Ce registre permet de passer d'une légitimation du racisme et du sexisme, basée sur la biologie, à une légitimation raciste et sexiste, basée sur une pseudo-défense des particularités culturelles. Une sorte de chacun chez soi, qui veut surtout dire « ne venez pas chez nous ». Il faut beaucoup de déni pour tenir un tel discours quand on défend une hiérarchie sociale qui a institué sa domination sur tous les corps du globe et dévasté tout l'écosystème. Un déni d'ailleurs bien commode pour privilégier une lecture identitaire des problèmes politiques. La nouvelle droite défend par ailleurs une approche néo-païenne. Il s'oppose aux valeurs et aux dogmes monothéistes, au profit d'une vision panthéiste ou polythéiste du monde. Ce registre mystique fait écho à l'écologie profonde du philosophe panthéiste norvégien Arne Naess, ou encore de John Clarke. L'interventionnisme technique sur la nature humaine y est fortement rejeté. Il faudrait se prosterner face à la nature. Dans un contexte d'effondrement, beaucoup de personnes à la recherche de spiritualité s'enfuient ainsi à la campagne pour se faire arnaquer par des charlatans comme le réactionnaire Pierre Rabhi et ses colibris. Il est regrettable et préoccupant de constater que ces conceptions s'étendent jusque dans les milieux de gauche et au-delà. Heidegger et son existentialisme a largement marqué la philosophie française. Le problème fondamental ne serait pas l'autorité, mais la raison, la technologie, la science ou même le langage.
pour se donner des airs antiracistes, tout ceci est bien souvent qualifié d'occidental. Les scientifiques racisés apprécieront d'apprendre qu'élaborer méthodiquement des savoirs est un truc de blanc ou de blanche. La spontanéité, le primitif, les dominés sont fantasmés. L'incohérent, le discontinu et l'intuitif se substituent à l'organisé et au rationnel, et même à toute forme d'activité soutenue ou ciblée. L'imagination se trouve radicalement opposée à la raison et le désir à la cohérence théorique, comme si elles étaient inconciliables. Bien sûr, dans une société hiérarchique, certains et certaines scientifiques légitiment cette hiérarchie. Mais ne rejetons pas la science. En son nom même, rejetons tout argument d'autorité, tout biais sexiste et raciste. Sans cela, on délaisse la critique de l'autorité. Tout au plus, on se pose en révolté sur un registre poétique et philosophique socialement excluant qui n'éclaire pas les processus de dominance sociale. L'extrême droite profite de cela pour semer la confusion. Sur Internet et sur certains lieux de lutte, Sivens par exemple, ils propagent leurs discours à des militants et militantes plus ou moins réceptifs et réceptives. On a ainsi pu voir le média de gauche extra-parlementaire lundi matin publier un texte au début de la pandémie du Covid-19, relayé par différentes pages comme Nantes Révoltée, partageant des conceptions finalistes nauséabondes. Le virus serait doté d'une finalité écologique et révolutionnaire. Quelles sont les causes de la sixième extinction de masse, extinction de plus de 50% des espèces durant ces 50 dernières années, du réchauffement climatique, des destructions des sols, etc. Les conceptions qui éludent l'importance de la lutte contre la hiérarchie, notamment la collapsologie, enferment dans la dépression et l'inaction. Plus qu'un effondrement, nous vivons une destruction des écosystèmes. La hiérarchie de la société ne s'arrête pas aux portes des villes. Une conception hiérarchique de la nature, une conception spéciste, est corrélée avec des attitudes préjudiciables telles que le racisme, le sexisme, l'homophobie, ainsi que les constructions idéologiques associées aux préjugés comme l'orientation à la dominance sociale, la justification du système et l'autoritarisme de droite. Cela suggère que des mécanismes similaires pourraient sous-tendre à la fois le spécisme et d'autres formes de préjugés bien étudiées. La hiérarchie étant au cœur de ces dynamiques de dominance, son abolition est déterminante pour toute perspective écologiste. Pour certains, la nature légitimerait la hiérarchie. Pour d'autres, ce serait le social, l'histoire ou la raison. Toutes et tous, elles idéalisent et séparent la nature de la culture ou du social, les émotions de la raison. Mais cette séparation théorique accentue la hiérarchie en plus d'être fausse. Nous sommes des animaux sociaux parmi d'autres. Toutes les espèces ont une histoire. Nous serions incapables de raisonner sans émotion. Opposons-nous à cette conception finaliste de la nature sans nous tourner vers une conception du social qui ferait de nous des êtres surnaturels. Mettre l'emphase sur la rationalité ou sur la distinction animal-humain a tendance à légitimer la hiérarchie sociale en s'attribuant des traits associés à l'exercice du pouvoir.
Comme d'autres primates sociaux, Homo sapiens s'est organisé de façon hiérarchique. La hiérarchie fait partie de notre histoire évolutive. Mais cela n'est pas une finalité naturelle. Il n'y a pas de but supérieur. Elle n'est pas non plus une fatalité. Les choses changent. Dans cette situation, l'abolition de la hiérarchie serait même des plus bénéfiques. D'ailleurs, notre biologie de primate social nous permet une organisation sans hiérarchie, basée sur l'empathie et l'entraide. Toutes celles et tous ceux qui prétendent lutter contre l'extrême droite sans s'attaquer à la hiérarchie sont inconséquents et inconséquentes. La hiérarchie détruit l'écosystème et nos vies. Une écologie conséquente est anarchiste. Elle s'oppose à toute conception prétendant améliorer la situation en accentuant la hiérarchie sociale. Pour s'y opposer, organisons-nous égalitairement. Efforçons-nous de ne laisser aucun comportement autoritaire reproduire des rapports hiérarchiques entre nous, alors que nous voulons les abolir. Même les comportements les plus bienveillants ou charitables, pour ne pas dire paternalistes. Une écologie anarchiste s'oppose donc à toute forme d'autorité, de hiérarchie. Elle institue l'entraide et l'égalité.